Et salut à tous les frérots, j'espère que vous allez tous très bien les mecs. Moi ça va nickel aujourd'hui les gars. Nouvelle vidéo sur FIFA 22. On va faire le pack 90 plus x 7 si je me trompe pas. Voilà, 90 plus x 7 les frères. Donc voilà. C'est énorme. Franchement, une équipe à 89, une équipe à 88, une équipe à 85, ça a fait beaucoup. J'ai jeté Matthäus Prime Moment dedans. J'ai jeté Milito Héros Métamorphosé dedans. J'ai jeté qui encore? Après le reste, c'était pas trop important. Et là, j'ai jeté Nkunku, mais quand j'ai vu son prix, honnêtement, je me suis dit pourquoi je le jetterais pas, les frères. Il fait à peine 100K. Ouais, il fait 135K, ça mec. Donc voilà, si on le veut, on le prend normal. Donc voilà, j'ai fait ce pack là pour vous. Voilà, honnêtement, je voulais pas le faire, mais je suis obligé de sortir une vidéo pour vous montrer ce que vaut ce pack. Même si forcément sur YouTube, il y en aura plein, plein, plein. Mais voilà, pour ma communauté, en tout cas, je vais le faire pour vous. Donc on va le valider ensemble, les frères. Pack premium joueur mélangé. Qui on va avoir dedans? Je sais pas, honnêtement, je sais pas si c'est cheaté, je sais pas du tout. Je sais pas, autant je vais avoir que des 93 et 94. Mais dans tous les cas, c'est rentable parce que on pourra faire un gros SBC derrière. Et voilà. Donc, du coup, on va essayer de choper du lourd. Voilà, donc on va voir un peu ce qu'il y a dedans. On va voir le petit pack qu'il y a avant ça. Un pack joueur rare mélangé, je crois. Un pack joueur mélangé, je sais plus trop. Un pack premium joueur mélangé, ok. Donc, on va l'ouvrir. Et bien sûr, on va l'ouvrir en tech image, les frères. Je vais éteindre la télé dès maintenant. Bim, là, on a un petit bronze. Mais voilà, il doit y avoir des ors juste à côté. Voilà, donc on va faire ça, on va faire ça. Donc du coup, j'ai un peu peur, je vais pas vous le cacher les frères, j'ai un peu peur. J'espère avoir du lourd. Honnêtement, j'aimerais bien avoir Messi et Tots non échangeables. Moi, je vois mon vendable. Parce que ouais, je vous l'ai pas dit, mais je crois que je l'ai packé. Enfin, je l'ai packé, mais je crois que je vous l'ai pas dit. Donc voilà, je l'ai packé dans un pack joueur prime. Et du coup, on ouvre les frères. 3, 2, 1, c'est parti. Et on met cette petite tech. Voilà. Je skip, je skip, je skip, je skip, je skip, je skip, je skip. Et je crois que j'ai assez skippé. Et les frères, du coup, on va commencer par la première carte. C'est un 90 plus, du coup, logiquement. Et ça va être. Il est où, il est où? C'est 7, c'est pas 14, du coup, là, ou 12, 13. Donc on va commencer par un petit Thiago Alcantara 93. Ok, c'est pas mal. S'il y a que des 93 plus maintenant, ça serait vraiment pas mal. Non, voilà. Alan 91, ok. Toni Kroos, ok Toni Kroos j'aime beaucoup, je vais le tester. Il a double 5, il est juste incroyable Toni Kroos, donc ok, franchement ça me va de ouf. Toni Kroos, Wilfried Zaha qui j'ai jeté tout à l'heure. Koundé en défense, ok c'est nickel, c'est vraiment pas mal, il me faut un défenseur, j'ai jeté aussi l'autre là. Gravenberch 95, ok c'est très fort. Et du coup le dernier, et Van Dijk 4, ok franchement. Alors, je vous dis la vérité, franchement c'est pas le meilleur pack possible, on va pas se le cacher. Mais pour mon équipe c'est le top. Pour mon équipe c'est le top, il me fallait deux défenseurs centrales et je les ai, tout simplement. Pour mon équipe c'est top. Voilà. Après c'est vrai que c'est en vrai c'est pas mal, 96 Van Dijk, 95 Grant Van Berch, franchement c'est pas mal. Et c'est vrai qu'il n'y en a que 7 au final, j'ai oublié. Je pensais qu'il y en avait 2, il y en avait 11. Mais quand je vous ai dit tout à l'heure, dans tous les cas ça partira dans un SBC, c'est vrai que c'est pas beaucoup honnêtement. C'est pas beaucoup donc. En vrai de vrai c'est pas un pack hyper rentable à faire, mais si par exemple vous avez un pack comme moi, ce qui est pas foufou, pour le moment c'est rentable. Moi je trouve que c'est rentable quand même. Parce que après Van Dijk c'est qu'il est pas très cher, mais Van Dijk je le voulais, Koundé je vais le tester, et Kroos j'aime beaucoup ce joueur, regardez la carte de port qu'il a, même si c'est que le fut bordé, j'aime beaucoup le Real, j'aime Kroos, et donc du coup honnêtement ça me fait plaisir de l'avoir, mais surtout Koundé et Van Dijk, le Grand Van Berch, je sais pas si je vais le jouer honnêtement, je pense pas. Il fait combien lui d'ailleurs? On va voir ça. Alors attendez, comparer prix. Ouais, non, je vais pas le jouer les frères, je vais pas le jouer. Donc voilà, en tout cas moi je suis content, moi je suis content. Après faites-le vous, dites-moi qui vous avez eu. Mais moi, honnêtement, je suis content de mon pack parce que je vais vous montrer mon équipe du coup. Donc ne prenez pas peur, c'est pas celle-là. Là, c'est vraiment pour le défi argent futise. Donc mon équipe, c'est celle-là. Sélecteur équipe Madrid, Inadamas, c'est celle-là, les frères. Donc j'ai jeté beaucoup de joueurs. J'ai jeté ben, voilà, les deux là. Matthäus, je l'ai jeté. J'ai jeté Rudiger. J'ai jeté Nkunku, Milito, tout ça. Coman aussi. Et du coup, ben, là, j'ai Messi, les frères. Le petit Messi que j'ai packé en échangeable. Donc c'est incroyable. Et du coup, bah, je vais mettre Van Dijk et Koundé et ça va être carré. Donc voilà les frères, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai kiffé. Voilà, j'ai kiffé ce petit pack, même si c'est pas le meilleur. Voilà, j'ai les deux défenseurs centrales qu'il me faut dans mon équipe. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires qui vous a vu. Vous, n'hésitez pas à vous abonner, les frères, ça me ferait vraiment plaisir pour le petit soutien, même si honnêtement, j'en ai pas besoin. Moi, j'aime beaucoup ce pack. Et voilà. Et du coup, moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao les gars.